Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, puisque c'est alors une vidéo courte et c'est plus une vidéo débat, commentaire que qu'une véritable histoire d'un héros. En l'occurrence, on va parler d'un personnage. Certains peut-être ont déjà reconnu de qui il s'agit. Bon, après il y aura le titre et tout, donc forcément vous le saurez, mais peut-être que vous ne le connaissez pas. Il s'agit de Kalegos, en l'occurrence qu'on appelle également Kalek dans sa forme humaine ou humanoïde, on va dire, puisque ce n'est pas un humain, ce n'est pas un haut elfe non plus. Les dragons ont souvent l'habitude de prendre une apparence humaine, elfique pardon. Et dans l'apparence humanoïde, par exemple, il y a Chromie qui est en forme de gnome. Alexstrasza, par exemple, est en haut elfe. La plupart des dragons sont en forme haut elfe. Les seuls qui dérogent, on va dire, à la règle sont peu nombreux. Nous avons, par exemple, tout simplement, les dragons noirs, comme Nefarian, Onyxia et surtout Deathwing, qui prennent l'apparence humaine. Kalegos, en l'occurrence, pour montrer un petit peu son côté hybride. Enfin, son côté hybride, vous verrez pourquoi dans son histoire juste après. Mais au final, il a une apparence de semi-elfe, donc semi-haut-elfe en l'occurrence, donc mi-humain, mi-haut-elfe. Et on va pouvoir parler un petit peu justement de Kalegos et des dragons bleus. En l'occurrence, Kalegos, cette apparence de semi-elfe a toujours représenté en fait, Kalegos a toujours été un dragon un petit peu à part, puisque étant un dragon bleu, eh bien il a jamais été dans la même ambiance que la plupart des membres de sa race. C'est-à-dire que les dragons souvent se sentent un petit peu supérieurs aux races mortelles et du coup n'interfèrent pas trop avec les races mortelles et se désintéressent des races mortelles. En l'occurrence, les elfes, c'est peut-être la seule race mortelle entre guillemets qui prend un petit peu grâce à leurs yeux. Et donc ils prennent souvent cette apparence elfique. Les seuls, par exemple, c'est Deathwing et le Vol Noir qui a compris que interagir, manipuler les humains, ça pouvait être quelque chose d'intéressant. Donc ils prennent des apparences d'elfes parfois quand il y a besoin, mais également d'humains. Et c'est pour ça qu'ils sont même les Prestor, hein, la famille Prestor, qui sont la famille de Deathwing en fait, hein, tout simplement. Nefarian, Onyxia et Deathwing ont des traits humains et se sont fait passer pour une famille princière d'Alterac, à savoir la famille Prestor. Et bien Kalegos, lui, a cette forme encore une fois de semi-elfe. Et justement, il s'intéresse beaucoup à l'histoire humaine et à ce qui se passe dans le monde des mortels. Donc il a moins, on va dire, de dédain à l'égard des races mortelles. Donc petit point concernant Kalegos, il a été créé pour la première fois, enfin sa première apparition est dans le manga, la trilogie du Puits Solaire, donc du Puits de Soleil comme vous préférez, mais le manga s'appelait la trilogie du Puits Solaire. Et en fait, c'est l'un des personnages principaux du manga. Il y a peu de mangas sur Warcraft, mais là, celui-ci, c'était le tout premier. D'ailleurs, c'était leur premier essai. Et c'était vraiment... qu'en est-il du Puits de Soleil suite à la destruction du Puits de Soleil par Arthas et la réincarnation de Kel'Thuzad, on va dire, la résurrection de Kel'Thuzad. Et ensuite, par Kel'Thas, en fait, hein, qui a détruit, je le rappelle, le Puits de Soleil pour éviter que... ils corrompent sa propre race à cause de leur connexion intime avec le Puits de Soleil. Puisque c'était des énergies nécrotiques, nécromantiques et morbides. Et du coup, ils ne voulaient pas que ça influe sur les restes des elfes de sang. En fait. Donc, en l'occurrence, et ensuite, justement, l'épisode sur Kalegos, ça va être sur comment ils ont restauré un petit peu le Puits de Soleil et leur rencontre avec un personnage très important. Un personnage secondaire, mais qui va avoir un rôle important dans le manga, à savoir Andvina, qui sera l'un des deux amours de la vie de Kalegos, puisque c'est tout simplement la représentation physique, la représentation mortelle du Puits de Soleil. Donc voilà, ça c'est un petit peu chelou, hein, j'avoue, mais c'est comme ça. Et pourquoi je fais cette vidéo sur Kalegos? Alors, justement, l'optique va être de parler, parce que là vous vous dites, bah non, c'est juste une présentation d'histoire d'un héros classique de Kalegos. Eh bien non, puisque je veux vous montrer un point qui m'a sauté aux yeux quand j'ai tout simplement, là je suis en pleine lecture d'Avant la Tempête, et dans Avant la Tempête, eh bien il y a un moment où Kalegos et Jaina ont une discussion, qui est, je le rappelle, le livre qui se passe juste avant Battle for Azeroth, et que je vous conseille. Alors c'est horrible ce qu'a fait Blizzard, mais parce que dans le jeu on devrait pas avoir besoin de lire ce livre pour bien comprendre, ça devrait être un complément. En l'occurrence, c'est super important, parce que concernant notamment le début, puisque donc je ferai probablement un review dessus pour éviter que tout le monde l'achète. Enfin, après, je vous conseille de l'acheter bien sûr, mais si pour ceux qui n'ont pas spécialement envie de se taper le bouquin, je ferai probablement une vidéo dessus.
Mais c'est quelque chose de très important puisque c'est pourquoi BFA. Parce que moi j'ai toujours dit BFA en termes de lore c'est super intéressant. Il y a une petite incohérence, c'est qu'ils viennent de s'allier ensemble contre la Légion Ardente et juste après ils reprennent les armes et là on va nous dire oui mais c'est l'Azerite, tout ça, tout ça. L'Azerite ça justifie pas. L'Azerite c'est plus une suite d'un véritable problème et j'y reviendrai dans une autre vidéo du coup. Mais qui est évoqué dans ce livre et dans ce livre il parle aussi de la relation entre Jaina et Kalégos. On y reviendra après mais Kalégos a connu deux amours dans sa vie. Anvina, la représentation du puits de soleil, la représentation humaine du puits de soleil et ensuite eh bien ce sera Jaina Prodmore. Jaina Prodmore qui a perdu également l'amour de sa vie Arthas et qui va... en fait les deux ont perdu l'amour de leur vie et ils vont se réussir à se trouver l'un dans l'autre pour pouvoir... on va dire penser leur plaie, puisque Jaina a perdu Arthas et Kalégos a perdu Anvina. Donc les deux vont avoir un point commun là-dessus, la perte d'un être cher, et c'est ce qui va les rapprocher, c'est ce qui va faire qu'ils vont tomber amoureux, tomber éperdument amoureux. Et en l'occurrence, donc Kalégos est un personnage qui a en fait, et c'est pour ça que je vais en parler, parce que dans le livre, en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est lors de la discussion avec Jaina, Jaina explique que Kalégos a pris sa place au sein du Conseil des Six. Comme vous le voyez, l'image en fond, c'est Dalaran. C'est la nation. J'ai fait une vidéo sur les 8 nations humaines. Je vous invite à aller la voir pour bien comprendre parce que je vais pas réexpliquer tout ce qu'est Dalaran. Mais juste, Dalaran, il y a le Conseil des Six qui est l'organe dirigeant, tout simplement, de Dalaran. De la ville de Dalaran, de la cité-état de Dalaran. Conseil des Six, c'est 6 archimages très puissants et très sages qui sont là pour administrer la cité. Et en l'occurrence, Jaina a été la chef du Conseil des Six. Et lorsqu'elle choisit d'abdiquer et de partir lors des événements de Légion, eh bien ça laisse une place vacante au sein du Conseil. Khadgar devient le chef du Conseil des Six, mais il y a une place vacante au sein du Conseil et ils vont proposer à Kalégos du coup de prendre sa place. Donc Jaina discute avec Kalégos et se rend compte que Kalégos maintenant est membre du Conseil des Six et elle s'amuse un peu, elle dit bah tu le mérites et t'es à ma place, ça me fait rire. Et du coup Kalégos dit tu sais tu pourrais les reprendre quand tu veux, ça ne me dérange pas, au contraire je préférerais que tu reviennes prendre ta place et moi je préférerais être un archimage normal de Dalaran, je préférerais que tu reviennes au tank du Conseil des Six, en plus on pourrait être ensemble. Jaina va dire non, elle a d'autres buts, maintenant on sait quels sont ses buts, c'était d'aller revoir sa famille à Kul Tiras. Mais ce dialogue m'a fait faire... m'a fait prendre conscience de plein de choses. Parce qu'en fait, Kalégos, alors, il y a pour moi deux vidéos qu'il faut que vous regardiez, c'est l'histoire des nations humaines, puisque Kalégos va avoir un rôle très important au sein de Dalaran, et il faut avoir vu la vidéo sur Marcus Jonathan. Alors, pourquoi? Ne vous en faites pas, Kalégos est un personnage que j'apprécie, je ne vais pas détruire ce personnage, mais ça m'a juste fait prendre conscience de quelque chose. Mais la vidéo sur Marcus Jonathan est importante pour comprendre comment on développe un personnage. Et Kalégos a eu le droit à un très bon traitement sur ses différents romans. Comme je vous l'ai dit, il est apparu pour la première fois dans le roman sur la trilogie du Puits Solaire. Ensuite, il a fait sa première apparition officielle dans le jeu, dans World of Warcraft, avec Burning Crusade. Et ensuite, on l'a vu dans plein de différents romans. Par exemple, Avant la Tempête, dans Le Jugement de Garrosh, dans plein de livres, en fait. Où il était toujours l'amant, le confident de Jaina, etc. Et ce qui est très drôle, c'est que ce discours m'a fait prendre conscience à quel point le cheminement du personnage, qui a une histoire très intéressante, il est l'un des derniers du vol bleu, puisque le vol bleu a été quasiment détruit, on va faire un petit rappel aussi sur le vol bleu, mais le vol bleu a été quasiment détruit lors de la guerre des anciens. Je ferai une vidéo sur la guerre des anciens, bien entendu, mais pour le moment elle n'est pas encore disponible. Mais la guerre des anciens, ça sera un gros opus, moi c'est une histoire que j'adore, c'est une partie de l'histoire que j'adore de Warcraft. Et dans la guerre des anciens, en fait, Neltharion et Maligos étaient donc je rappelle, dans les 5 aspects, je vous laisse aller voir la vidéo sur l'Extraza, mais les 5 aspects, vous avez Alexstrasza, représentant chef du vol rouge et représentant de la vie, Ysera, chef du vol vert et représentant de la nature, on va dire, hein, du rêve d'émeraude et de la nature. On a tout simplement donc Maligos, chef du vol bleu et représentant donc des dragons bleus et représentant de la magie, aspect de la magie. On a ensuite Nozdormu, qui est le chef du vol bronze et également représentant et l'aspect du coup du temps. Et enfin on a Neltharion aka Deathwing, donc Eldemort, qui est le chef du vol noir et qui est le représentant tout simplement l'aspect de la terre. Donc ce qui est très drôle, enfin c'est pas drôle du tout, mais en fait Maligos et Neltharion entretenaient une excellente amitié, et on reparlera de Maligos juste après d'ailleurs,
parce que ils entretenaient une très bonne relation, et la trahison de Deathwing, la trahison de Neltharion qui deviendra à ce moment-là Deathwing, va faire en sorte que Maligos, qui est très ami avec Neltharion, va péter un plomb et il va directement se ruer sur Maligos avec son vol, il va se ruer sur Neltharion avec son vol, et à ce moment-là, Deathwing va se servir d'une arme, à savoir l'âme des dragons, l'âme des démons, qui va détruire en fait quasiment 75 à 90% du vol bleu, hein, qui sera détruit à ce moment-là. C'est d'ailleurs la fameuse Syndragosa, l'ultime d'Arthas, que le roi Lich rappellera à la vie pour en faire une Wyrm des Glaces. Et bien Syndragosa, qui était la mère de Caligos et la compagne tout simplement de Maligos, mourra à ce moment-là. Donc c'est quelque chose de très important, enfin je crois que après je dis Syndragosa est la mère de Caligos, mais c'est dans l'idée c'est peut-être pas sa vraie mère, mais c'est la mère de tout le vol bleu en fait, puisque c'était la compagne de Maligos. Et du coup, eh bien, après ça, il n'y a plus beaucoup de dragons bleus, la plupart ont été tués, et au final, bah, les dragons bleus, il y en a beaucoup qui, notamment Maligos, qui sont complètement perdus, ils sont en dépression complète. Donc il y a très peu de dragons bleus qui vont intervenir dans le monde des humains, dans le monde des mortels. Et en l'occurrence, Caligos fait partie de cela. Et il va avoir différentes rencontres. Et comme je le disais avec cette conversation, j'ai pris conscience que Caligos, dans son développement, qui au départ était juste un dragon bleu qui voulait aider, etc., eh bien, a pris de plus en plus d'importance dans l'histoire, et il a pris la place littérale, littéralement et au figuré, de certains personnages. Et on verra lesquels. Mais notamment, bah, par exemple, Jaina, elle a pris sa place au sein du Conseil des Six de Dalaran, l'organisation qui s'occupe de Dalaran. Donc comme voilà, ça c'est une représentation de Caligos. Alors Caligos, pour un dragon bleu, est assez jeune, c'est pour ça que ça me met le doute. Peut-être que Syndragosa n'est pas tout à fait sa vraie mère, on n'a pas, je crois pas qu'on ait des infos là-dessus, mais peut-être qu'il était encore un peu jeune. Après, pour un dragon, c'est peut-être... il était peut-être un dragonné au moment de la guerre des anciens, je ne sais pas trop là-dessus, donc peut-être que Syndragosa était bien sa mère. C'est fort probable quand même, parce que la plupart du... Enfin, c'est l'une des grandes problématiques, c'est justement que le vol bleu a plus beaucoup de monde, et que pour l'avenir du vol bleu, il faudrait penser à commencer à s'accoupler, on va dire. Et World of Warcraft fait pas trop de romance, mais... Enfin, dans l'univers étendu, oui, mais dans le jeu, non. Mais peut-être qu'il faudrait y venir, parce que c'est quelque chose de très important. Donc, justement, on parlait d'un personnage, c'est Maligos, qui est le chef du vol bleu. Et Maligos a une histoire, donc il va falloir que j'en parle un petit peu. Je ferai probablement l'histoire d'un héros un peu plus complète sur Maligos, parce que c'est un personnage qui me touche énormément et qui a eu un traitement difficile. Donc j'y reviendrai quand je développerai Wotelka. C'est un personnage qui a eu un traitement très décevant pour ma part. Alors peut-être que vous vous êtes dit, je sais que je suis pas le seul à avoir cet avis là, hein. Il y a beaucoup de monde dans la communauté de Warcraft qui a gueulé un petit peu sur le traitement de Maligos, puisque Maligos en fait est apparu pour la première fois dans un livre appelé Le Jour du Dragon, qui traite justement du sort d'Alexstrasza. Et ce livre est très important par rapport à ma vidéo sur Caligos, j'y reviendrai aussi plus tard, mais il a créé alors l'un des personnages, enfin il y a plusieurs personnages au sein du Jour du Dragon qui ont été créés. Donc c'est un roman de Richard Hacknack que je vous conseille. Alors maintenant il est plus édité, mais c'est un super livre. J'ai adoré ce livre, honnêtement il est génial. Et donc il parlait un petit peu des 5 aspects, Alexstrasza, Ysera, comme je vous le disais, Neltharion, Maligos et Nosdormu. Et Maligos, eh bien, il nous parle un petit peu de toute la frustration et de toute la détresse que ce personnage a, puisque bah, en fait il a vu la mort de quasiment tous ses enfants, il a vu son meilleur ami, son frère et son meilleur ami trahir son propre vol et tuer toute sa famille. Donc il est complètement devenu fou de chagrin et ivre de colère par rapport à ce qui s'est passé, et il s'est retiré du monde. Il aurait pu détruire le monde à ce moment-là, pas du tout, non. Là, c'était le meilleur moment en fait pour qu'il détruise le monde, non. Il s'est retiré du monde, il s'est retiré des affaires des mortels et des immortels. Il est en mode, j'ai perdu toute ma famille, et il est complètement dépressif. C'est vraiment la définition, il est complètement dépressif et traumatisé de ce qui s'est passé. Il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il a perdu tout. Il a tout perdu à ce moment-là. Et du coup, il ne guide plus les dragons bleus, enfin, il reste de son côté. Et petit à petit, au sein de différents livres, Le Jour du Dragon, La Guerre des Anciens, différents livres qui vont arriver comme ça, en fait, on va petit à petit faire naître l'espoir au sein du vol bleu. Le vol bleu qui n'a plus d'espoir, eh bien, le vol bleu va petit à petit, en fait, Maligos va petit à petit commencer à panser ses plaies, notamment grâce à l'aide d'Alexstrasza, qui va avoir un rôle très important pour aider. Et Alexstrasza
propose même son aide. Alors là-dessus, c'est pas tout à fait compris. On sait pas trop. Alors encore une fois, je vous laisse aller voir la vidéo de l'Extraza si vous voulez plus de détails concernant l'Extraza. Mais on sait pas trop, mais elle offre son aide à Maligos pour faire en sorte que le vol bleu puisse avoir un avenir. Alors, est-ce qu'il faut le comprendre qu'elle va utiliser ses pouvoirs pour aider les œufs du vol bleu à éclore? Ou est-ce qu'elle offre la possibilité de s'accoupler avec Maligos pour avoir des enfants? Je rappelle que Alexstrasza est un peu la déesse de la vie sur Azeroth. C'est possible, hein. Et on sait qu'elle a plein d'histoires histoires sexuelles, Alexstrasza, ce qui est normal, hein, c'est la déesse de la vie. Mais les dragons, c'est toujours un peu particulier, puisqu'ils sortent avec. Ils sont très consanguins, hein. Ils sortent avec. Alexstrasza, par exemple, bah, l'amour de la vie d'Alexstrasza est un de ses enfants, donc voilà. Et justement, on va en parler de ce personnage-là. C'est Corialstras, Crassus, qui est un personnage qui a fait son apparition également. Qui a fait son apparition avec le jour du dragon. Alors, il n'a pas tout à fait cette apparence-là dans le jour du dragon, mais donc qui est l'un des archimages du Conseil des Six que j'ai évoqué, qui est l'un des rares dragons à s'occuper des affaires mortelles, donc un des archimages. Alors lui, il prend l'allure d'un haut elfe, même si là j'avoue qu'avec la couleur ça fait très elfe de sang, mais je rappelle que c'est un dragon rouge et c'est l'amant ainsi que le consort d'Alexstrasza, donc c'est tout simplement normal qu'il ait des apparences un peu plus rouges, mais au final il est bien considéré comme un haut elfe dans les livres, dans le jour du dragon, en tout cas en termes d'apparence. Donc il se fait passer pour un archimage au elfe qui dirige le Conseil des Six, et secrètement, donc il ne dit pas qu'il est un dragon rouge, bien sûr, il le garde secret, et il va du coup guider un petit peu Dalaran. Crassus, par exemple, a fait partie du Conseil des Six à l'époque où Kel'Thuzad, donc la deuxième et troisième guerre, il était déjà membre de l'Alliance, en fait, hein. Il a été membre de l'Alliance, Crassus, puisqu'il était l'un des archimages avec Antonidas qui dirigeait eh bien, le Conseil des Six, et donc Dalaran. Donc Crassus a connu la deuxième guerre, il a connu la troisième guerre, il a connu tout simplement Kel'Thas et Kel'Thuzad en tant qu'égal, puisqu'ils étaient aussi dans le Conseil des Six. Donc ça, c'est vachement intéressant de se dire que Crassus était présent à tous ces moments-là. Et Crassus, c'est un personnage très attachant par rapport à son lien avec Alexstrasza, mais pas que. Il a donc, encore une fois, c'est un personnage qui a été créé dans l'univers étendu et qui sera intégré ensuite à World of Warcraft. Et dans l'univers étendu, eh bien, dans le Jour du Dragon notamment, il a un lien très important. Alors, c'est mon erreur, j'ai pas mis d'image de Ronin, mais il est le maître de Ronin. Et on verra que, encore une fois, si je cite ces personnages là, c'est pas pour rien, c'est que eh bien Caligos va vraiment remplacer tous ces personnages, en fait tous les personnages que je viens de citer: Maligos, Corialstras, donc Crassus, Ronin et Jaina, que ce soit de manière, on va dire, figurée ou littéralement, à remplacer ces personnages. Et ça, c'est un truc de fou. C'est que dans l'idée d'un développement de personnages, parfois, eh bien, il peut y avoir des concurrences. Par exemple, Tyrion à Légion avec le retour de Thuralion. Eh bien, on a deux personnages qui ont à peu près la même fonction, qui représentent les hauts paladins, on va dire, humains, qui représentent leur connexion avec la lumière, etc. Et au final, bah, Tyrion, c'était un archétype, c'était le personnage fonction paladin humain de lumière, ultra connu, blablabla. Et au final, Thuralion aussi. Mais Thuralion a beaucoup plus de légitimité, il est là depuis beaucoup plus longtemps, depuis Warcraft 2, etc. Et au final, les deux étaient un peu dans la même niche, on va dire. C'est un peu les niches écologiques dans notre nature, en fait. Ils occupent la même place, le même rôle, la même place. Du coup, soit il y en a un qui va prendre le dessus sur l'autre et l'autre va perdre en intérêt, par exemple les Trigg par rapport à Sorfang, ou alors, eh bien, il y en a un qui va mourir pour laisser pleinement la place à l'autre. Et c'est ce qui va se passer avec, par exemple avec Caligos. Et ça, c'est un petit peu triste, puisque Corialstras va voir sa mort lors de Cataclysme. Mais bon, avant de parler de, on va revenir sur la mort de Caligos. Enfin, on verra sur la mort de Corialstras après. Mais Maligos, eh bien, aura un traitement très difficile, puisque comme je le disais, il commençait en fait à avoir la guérison de son esprit et de son vol, puisque petit à petit, eh bien, le vol bleu allait récupérer certains de ses membres et de nouveaux dragonnés allaient naître. Et Maligos, l'état de santé mentale de Maligos allait revenir, il était complètement traumatisé et on va dire la guérison était en bonne voie jusqu'à Wotelka. C'est-à-dire que dans tout l'univers étendu, dans tout ce qui dirigeait l'histoire, on était vraiment dans une idée que ça y est, enfin Maligos revenait, il reprenait ses fonctions de chef du vol bleu, il était très proche avec Alexstrasza et Iseraï, donc ces dernières ont vraiment aidé Maligos à revenir sur la bonne voie, je dirais. Et lors de Wotelka, eh bien, il pète un plomb. Il a décidé que les utilisateurs de la magie allaient potentiellement faire revenir la Légion Ardente, au lieu d'essayer d'influer un petit peu comme pouvait le faire Crassus
auprès des mortels, eh bien ils pètent un plomb et décident eh bien d'utiliser les lignes telluriques, hein, ce qu'on a, les lignes telluriques de arcanique et de magie, pour inciter les utilisateurs de sorts à tuer les utilisateurs de sorts qui ne respecteraient pas les règles. Et en gros, il veut faire un total génocide sur la planète. Et il sera arrêté lors de Wars of the Lich King par Alexstrasza et notamment Caligos qui ne soutient absolument pas son père dans ses actions. Et du coup, Caligos eh bien, sera l'un des rebelles du vol bleu qui repoussera cette folie. Et c'est tout à fait vrai, c'est une folie dans laquelle Maligos est revenu. Et ce qui est vraiment dommage, c'est qu'avant Wotelka, tout nous semblait indiquer que Maligos était sur le chemin de la guérison, était même vraiment dans le chemin de la guérison, et pour que dans Wotelka, il pète un plomb et il faille le tuer dans le grand plan, le grand safari, bien entendu. Et pour remplacer, vraiment dans cette idée de remplacement, on va aller encore plus loin. Vous connaissez cette image. Si vous avez joué un petit peu à Hearthstone, vous connaissez cette image. C'est la représentation, c'est la carte de Maligos. Bien, figurez-vous que ce n'est pas le cas. Quoi ? Eh ben si, de Hearthstone, je connais, j'ai joué Hearthstone, c'est Maligos. Eh bien non. Savez-vous que cette image, c'est Caligos. C'est une image de Caligos. C'est une image qui a été créée. Alors j'ai oublié le nom de l'illustrateur, mais c'est une image de Caligos. Mais comme Maligos a très très peu d'images, tapez Maligos sur internet, hein, vous verrez, vous essayerez de trouver des images de Maligos. C'est soit des fanarts, mais des artworks officiels de Maligos, il y en a très 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 peu. La plupart du temps, c'est des fanarts. Et du coup, Maligos a peu de représentations, et la plupart du temps où Maligos est représenté, c'est en fait eh bien, des représentations et des artworks de Caligos. C'est quand même incroyable de vous dire que même l'image officielle de Maligos d'Hearthstone, eh bien, ils ont repris l'image de Caligos. C'est quand même incroyable. Quand vous voyez là, c'est vraiment le remplacement pur et dur. Hein. Alors bien sûr, Caligos est censé représenter l'espoir et le renouveau du vol bleu. Et ça ne me dérange pas que Maligos tombe pour que Caligos le remplace. Ce serait un petit peu dommage, moi qui dis justement que bah, Varian a eu une belle histoire et que sa mort permet à Anduin, justement à Anduin, de prendre son élan, son essor et de pouvoir eh bien, s'envoler et écrire sa propre histoire. Donc je n'ai absolument rien, le fait de tuer Maligos peut être constructif, mais le problème c'est que Maligos meurt comme un gros bâtard, considéré comme un gros con, qui a essayé de détruire le monde comme un gros méchant, alors que le traitement de Maligos était beaucoup plus profond et beaucoup plus profond que ça. C'était pas juste du manichéisme total en mode c'est un gros con. Non, bah non, c'était pas ça Maligos. Et du coup, par exemple, Maligos, dans l'idée de rédemption, eh bien, il aurait pu essayer de sauver ses enfants. Ça aurait été beau pour essayer de boucler la boucle, mais essayer de sauver ses enfants ou autre, et faire en sorte que justement son héritier, Caligos, puisse prendre les devants. Mais bon, ça c'est quelque chose qui n'est pas arrivé, mais bon, c'est pour ça qu'on en reparlera dans Wotelka bien sûr. Mais du coup, Caligos deviendra le chef du vol bleu. Alors, je passerai le fait qu'il y a eu un moment une petite guerre de succession avec un autre dragon bleu qui combattait sous les ordres de Neltarion, donc Deathwing. Mais il y a déjà suffisamment de noms que j'évoque, on s'en fout, c'est un Marcus Jonathan, il va mourir dans Cataclysme. Et en parlant de mort dans Cataclysme, on va pouvoir revenir sur Coriolstras, Crassus, donc comme je le disais. Eh bien, était le représentant draconique au sein de Dalaran. Alors il était caché, hein, il n'était pas dit « Ouais, je suis le dragon rouge !» Bien sûr que non, hein, les dragons, je le rappelle, dans la tête des humains, c'était les ennemis à Warcraft 2. Du coup, Crassus, c'est lui qui amena le jour du dragon. Je ferai une vidéo sur le jour du dragon, qui fera d'ailleurs une transition entre War 2 et War 3. Et c'est super intéressant parce que bah, il était justement peiné, Crassus, de devoir affronter ses enfants ou ses neveux, on va dire. Lors de la deuxième guerre, puisqu'il est lui-même un dragon rouge. Donc il va contribuer à la libération d'Alexstrasza juste après la deuxième guerre, qui est enfermée par les orques, je le rappelle, à Grim Battle, histoire de Warcraft 2. Mais Crassus, du coup, eh bien, c'est un personnage très attachant pour aussi sa relation avec Ronin, qui deviendra l'un des archimages et notamment le chef du Conseil des Six pendant une partie de World of Warcraft. Et Crassus va mourir en se sacrifiant pour sauver des œufs du vol rouge et des autres vols lors de Cataclysme, des assauts de Deathwing et des dragons noirs. Et au final, eh bien, Crassus verra une mort un petit peu triste et un peu rapide, pas de cinématique ou autre, et sa mort sera rapide. Et au final, eh bien, le représentant du vol draconique aujourd'hui au sein de Dalaran, c'est qui ? C'est Caligos. Donc il y a vraiment le remplacement de ce rôle de mentor, vraiment l'ambassadeur un petit peu draconique au sein de Dalaran, et le représentant d'une autre race au sein du Conseil des Six. Et ça, c'est Caligos qui va l'occuper.
Maintenant, on en parlait aussi, mais je vais laisser du coup une image de Kalégos, mais il remplace également Ronin en tant que archimage au sein de Dalaran, on va dire rapide dans sa manière, avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup d'entrain et la volonté d'essayer de sauver ce qui peut encore en être. Et il va également, donc en plus de remplacer Coriel Straz, hein, Crassus, il va remplacer également eh bien, Ronin qui va mourir lors des événements également de Cataclysme à Terramor. Terramor qui est un lien très privilégié avec Kalec, puisque eh bien, je rappelle, il est en couple avec Jaina. Enfin, il était en couple, mais il s'aime encore et c'est un peu compliqué, on va dire. Donc ça, c'est pour Crassus et Ronin. Ronin et Crassus qui sont les deux héros d'ailleurs du Jour du Dragon. Donc j'en ai déjà parlé, mais sa relation avec Jaina fait que, eh bien, avant la tempête, comme je vous le disais, Jaina dit elle-même que Kalégos a pris officiellement sa place au sein du Conseil des Six, qui, on va dire, est la base de cette vidéo. Et enfin, ce que je trouve un petit peu dommage, on va faire un point de réflexion là-dessus, puisque ça, donc, petit rappel, Kalégos a pris la place de Coriel Straz, Ronin, Jaina et Maligos. En tant que chef du vol bleu, Maligos. En tant que représentant et ambassadeur draconique au sein de Dalaran, à la place de Crassus, donc Coriel Straz. En tant que l'archimage jeune et plein d'espoir, plein de fouilles au sein du Conseil des Six, puisque je rappelle qu'au Conseil des Six, c'est que des vieux, hein, Khadgar étant peut-être l'un des plus jeunes, et pourtant ça reste un vieux. Donc Kalégos est le représentant le plus jeune. Alors je sais, vous allez me dire, mais c'est un dragon, il est probablement plus vieux que tous réunis. Oui, mais il représente la jeunesse en fait. Il représente la jeunesse. Là où Coriel Straz était beaucoup plus vieux et représentait un petit peu comme Khadgar, l'âge mûr, sans être une vieille peau comme Modera. Donc, manque de respect. Mais du coup, Modera qui est juste un des archimages du Conseil des Six. Peut-être que je ferai une vidéo un jour sur le Conseil des Six pour rappeler un petit peu tous les membres qu'il y a eu et autres. Mais du coup, Kalégos représente la jeunesse au sein du Conseil des Six. C'est l'être qui a la peau et la forme, on va dire, la plus jeune. Et au sein même des... Pour un dragon bleu, il est jeune, Kalégos. Donc, on a justement... alors, j'ai choisi cette image où on le voit attendre patiemment sur un rocher près de Jaina. Mais c'est en plus ça qui m'énerve, c'est que j'adore Kalégos en plus. Mais j'ai vraiment percuté qu'il avait remplacé tous ces personnages-là. Et je me dis, mais c'est quand même dommage, Ronin, en tant que chef de Dalaran, lors de Wotelka notamment d'ailleurs, hein, était chef de Dalaran du Conseil des Six, était super intéressant, sa relation amoureuse avec Vereza Windrunner, donc, qui est la chef des Hauts Elfes, avec, je rappelle, il a deux enfants, des enfants qui normalement ont une destinée exceptionnelle, puisque c'est très rare d'avoir des jumeaux semi-elfes, donc c'est quand même quelque chose de très très... Semi-elfes, c'est déjà assez rare, mais en plus... des jumeaux, c'est quelque chose qui arrive rarement. Et je pense que vous connaissez une autre paire de jumeaux, on va dire, elfes de la nuit, qui a une destinée légendaire. Ça a donné Illidan et Malfurion, qui sont deux des êtres les plus puissants d'Azeroth et probablement deux des elfes de la nuit les plus puissants. Donc c'est quand même assez dingue de voir un petit peu ce qu'avait fait Ronin. Et Ronin, il a participé à pas mal d'événements aussi dans l'univers étendu. Coriel Straz, Crassus, qui était un des chefs, qui est également un des archimages. Un des représentants du vol draconique rouge, et il avait énormément de rôles, un rôle très important en tant que consort d'Alexstrasza et tout. Et, c'était un guide pour l'humanité en fait, Coriel Straz. C'était son rôle, c'était d'être un des guides pour l'humanité pour qu'elle aille dans le bon chemin et pas qu'elle se perde à cause de Deathwing et autres. Et Coriel Straz sera un peu l'un des opposés en fait de Deathwing dans les affaires mortelles. Alors bien sûr, Deathwing est beaucoup plus puissant que Coriel Straz, mais dans les affaires politiques humaines, il y avait vraiment Deathwing versus Coriel Straz, Crassus. Donc au final, il remplace Coriel Straz en tant qu'ambassadeur draconique, il remplace Jaina à son poste pour poste au sein du Conseil des Six, et il remplace Maligos, qui est l'une des figures les plus puissantes d'Azeroth aussi. Il le remplace, et depuis, Kalégos, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, pas grand-chose. Il suffit de voir dans Légion. Alors oui, il a combattu la Légion Ardente, mais c'était juste en tant que membre du fief des mages. Alors moi, qui est un mage, justement, et j'ai fait la campagne de Légion, dans World of Warcraft, il n'a pas un rôle très important. Je veux dire, même c'est pas parce que c'est juste un des mecs du fief que c'est forcément un manque de traitement. Au contraire, ça aurait pu être un des personnages qui te donne le plus de quêtes, qui te parle le plus, qui a des connexions, qui va t'aider à récupérer les armes et tout. Non, il a une place très mineure dans la campagne des mages de Légion. Kalégos, à l'heure actuelle, il est là, mais sans vraiment avoir un rôle à jouer. Et ça, c'est triste, parce que faire mourir Coriel Straz, Ronin, donc faire mourir Crassus, Ronin et Maligos, déjà ça fait mal parce que tu détruis des personnages super intéressants et super importants.
pour remplacer par Kalégos, qui en plus a déjà de la légitimité. Il a été créé, il y a eu une histoire, il y a eu une vraie avancée dans sa progression, une histoire très très dure. Il a souffert, il a vu plein de membres mourir, enfin plein d'amis, parce qu'il était ami avec tous ces personnages-là en plus. Et il a vu son propre, il a dû combattre son propre père, son père est mort, son vol est quasiment détruit. Il a vu ses mentors mourir, ses amis mourir, il a vu l'amour de sa vie, Andvina, mourir. Il a une histoire tragique. C'est le mec à qui il arrive que des tuiles, Kalégos. Pour remplacer ces mecs-là et pas faire grand-chose. Ça, c'est triste. Ça, c'est vraiment triste. Alors peut-être qu'avec la 8.2 et peut-être plus tard l'arrivée de l'île des dragons, Kalégos reprendra un petit peu du poil de la bête, ou en tout cas l'écaille du dragon. Pardonnez-moi l'expression, mais j'espère, parce que à l'heure actuelle, il a remplacé tous ses personnages important en tout cas dans l'histoire de Warcraft, peut-être pas forcément dans le jeu, mais dans l'histoire de Warcraft, pour pas grand chose pour le moment. C'est pour ça que je l'ai mis en train d'attendre, parce que bah il attend son heure, hein, Kalégos. Et justement, pour parler de la suite, pourquoi pas, ce qui pourrait arriver, donc comme je l'ai dit, avec la 8.2 ça devrait arriver, mais il y a autre chose. Alors, quelle est cette charmante demoiselle? Eh bien, c'est l'une de ses sœurs, Tirigoza, qui est une dragonne bleue. Tirigoza qui était l'un des personnages principaux aussi de la trilogie, le manga, la trilogie du Puits Solaire, et qui était donc un des compagnons de Kalec, hein, Kalégos. Et au final, eh bien, il est clairement dit qu'ils entretiennent une relation très ambiguë. Alors, les deux amours, Kalégos reconnaît que dans sa vie, il a connu que deux amours, Andvina et Jaina. Mais en dehors de ça, disons que Tirigoza... elle s'appelle Tiri, mais c'est Tiragoza. Tiragoza, mais son nom en elfique, elle s'appelle Tiri. Et du coup, eh bien, Tiragoza est une dragonne qui est la meilleure amie et la confidente de Kalégos. Mais vous le savez, chez les dragons, Nefaria et Onyxia, c'est un couple, hein, ils sont frères et sœurs, et pourtant, voilà, ils se font des papouilles, etc. Du coup, Kalégos et, par exemple, Alexstrasza sort avec son fils, hein, voilà, elle sortait avec son fils. Donc, il est possible que, c'est même plus que sort avec son fils, elle a fait des enfants avec son fils, hein, mais il y a vraiment une relation très ambiguë entre Kalégos et Tiragoza. Kalégos, en dehors de Jaina et d'Andvina, c'est le personnage Kalégos aime le plus, et avant la tempête, je sais pas pourquoi je dis en avant la tempête, avant la tempête, et eh bien ces deux personnages, il en parle beaucoup, il a envie de rejoindre Tiragoza, il veut essayer de parler avec elle, etc., de pas mal de choses, probablement aussi l'avenir du vol bleu, parce que même après Wotelka, il y avait déjà pas beaucoup de dragons bleus, mais il y en a encore moins, et il est, en tant que chef du vol bleu, il doit avoir, et il représente l'espoir, il doit avoir un rôle à jouer pour la reconstruction du vol bleu et des dragons bleus. Donc peut-être que avec Tiragoza, eh bien, il pourrait rebâtir le vol bleu et la prendre comme consort, comme compagne, et potentiellement, eh bien, avoir de nouveaux enfants, de nouveaux dragonnés, et rebâtir le vol bleu. Après, ça c'est par rapport au lien que Kalégos entretient avec Tiragoza. Il y a un autre personnage qui est aussi peut-être qui pourrait avoir un rôle à jouer, c'est Stellagoza. Stellagoza, si vous avez fait les quêtes de Légion, Stellagoza, c'est tout simplement, eh bien, la chef d'une partie du vol bleu qui gardait en fait tout simplement je rappelle que les dragons bleus, leur rôle, ce sont les dragons un peu de la magie, et du coup ils doivent encadrer un petit peu l'utilisation de la magie arcanique et du reste de la magie. Et Stellagoza aidait les joueurs dans Légion pour les différentes quêtes en Asuna, y avait justement son grand-père qui était un dragon bleu très très âgé et qui avait été un des grands amis de Maligos, qui meurt de vieillesse, on va dire. Et Stellagoza, eh bien, va prendre la charge de cette faction de dragons bleus qui était exilée. Du coup, peut-être que justement dans l'idée, encore une fois, dans l'avenir de rebâtir les dragons bleus, peut-être que Kalégos et Stellagoza vont former un couple pour pouvoir eh bien, rebâtir le vol bleu, puisque je le rappelle, il y a vraiment l'idée de devoir enfanter des nouveaux dragons, des dragonnés, pour pouvoir avoir suffisamment de membres pour assurer un avenir tout simplement aux dragons bleus. Donc ce serait très intéressant de lier un personnage qui avait été développé à Légion, que j'avais beaucoup apprécié d'ailleurs. Il y avait une histoire très intéressante, elle avait son doublage et sa forme d'ailleurs physique était superbe. Une OL forcément. Mais non, son histoire était super intéressante et j'avais beaucoup aimé ces quêtes-là à Zuna. Donc en plus elle revient aussi dans les scénarios des Sacres Nuits, elle avait été réutilisée dans les scénarios de Sacres Nuits à Suramar. Donc peut-être que faire en sorte que justement Kalégos, qui représente une faction, la plus grande faction de Dragon Bleu, qui s'unisse avec Stellagoza,
qui est une de ses campagnes, et pourquoi pas les deux. Peut-être qu'il pourrait sortir avec Tiragosa et avec Stellagosa. Vous allez me dire, mais Helga, bah, Alexstrasza avait plusieurs consorts. Coriolstrasz était l'amour de sa vie, mais elle sortait avec par exemple Tyrannastrasz, et c'est d'ailleurs Tyrannastrasz qui était forcé de... Alexstrasza et Tyrannastrasz ont été violés, on les a forcés à s'accoupler à Grim Battle par les orques, hein. C'était un peu le même délire. Donc peut-être que justement, Caligos pourrait prendre plusieurs compagnes, en l'occurrence Tiragosa et Stellagosa. Alors je sais qu'il aime Jaina, il a envie de rester avec Jaina et tout ça. À un moment, mon pépère, t'as pris la place de Maligos, il faut rebâtir le vol bleu. Donc peut-être que tu ne les aimes pas forcément comme ça. Mais il y a un moment donné où faut aller au turbin pour rebâtir le vol bleu. Non mais dis donc. Donc non mais c'est comme Anduin doit avoir une femme. Il doit avoir une femme pour l'héritage et la dynastie Rin. C'est obligatoire. Donc ça pourrait être l'avenir du vol bleu et faire en sorte qu'aussi qu'il y ait des romances qui arrivent entre ces personnages là et ça permettrait en plus de retrouver des personnages que l'on a appréciés. Personnellement, moi Stellagosa, j'ai beaucoup aimé. J'adore ce visuel d'ailleurs, un des rares visuels de Stellagosa. Alors, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment un questionnement, mais ça m'a heurté l'esprit. Je me suis dit, mais oh, en fait, il a remplacé plein de personnages, Caligos, quoi. Il a vraiment mis de côté des personnages que je suis en plus depuis très longtemps. Parce que je rappelle que Le Jour du Dragon, c'était un livre qui avait précédé la sortie de Warcraft 3. Donc c'est assez vieux. Enfin, en plus, le livre, il a pas vieilli. Hein, il est génial. Si, le seul truc qui a vieilli, c'est qu'à l'époque, Deathwing avait été traduit Voldemort. C'était avant qu'Harry Potter soit aussi connu. Ça m'a fait rire. Donc le premier Voldemort, bah, c'est pas le Voldemort que l'on connaît, hein, c'est Deathwing. Mais bon, ça m'a fait rire. Mais du coup, voilà, ça m'a heurté en me disant, mais c'est vrai qu'il a remplacé tous ces personnages importants dans l'histoire. Et c'est vrai que c'est fou. En plus, maintenant, ça n'avance pas. Moi, vraiment, j'étais déçu du traitement de Caligos à Légion. Enfin bon. N'hésitez pas à me donner vos impressions. Est-ce que vous aussi ça vous fait un choc? Est-ce que vous avez apprécié cette vidéo? Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de Caligos? Est-ce qu'il reviendra avec l'île des dragons et la 8.2? En tout cas voilà, moi j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à me donner vos impressions. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le Nexus. Mais n'hésite pas à liker la vidéo, la partager, la commenter. Ça aide à la visibilité de la chaîne via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et YouTube. Mais après YouTube, je t'ai dit de t'abonner, donc normalement t'as compris. Après, ma génie, il oublie toujours Mega Twitch. Et ça, c'est dans la description que tu peux tout trouver. Allez, au revoir!